Alors comme ça, vous en voulez à Miss Legg? C'est purement professionnel. Pourtant, d'après ce que je vois, elle ne semble pas vous avoir défiguré. Pourquoi? C'est votre cas? Oh. Et pourquoi je porte ce masque, selon vous? Je n'ai plus de visage, bon sang! Je suis venu à Londres et j'ai trouvé un travail tranquille. Assistant de laboratoire pour la société de cosmétiques de Miss Legg. Pas d'expérience requise et un bon salaire. Mais finalement, je me retrouve enfermé dans un caisson pendant des jours, noyé dans un liquide putride. Et quand nous sommes sortis, parce que j'étais loin d'être le seul, nous n'avions plus de visage, plus de chair. Et après, on nous a simplement balancés dans les égouts, laissés pour mort. Une expérience qui a mal tourné. C'est ça, un simple cobaye. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai voulu en finir, j'ai découvert qu'il m'était impossible de mourir. Alors, Legg ne se sert pas seulement du météore pour créer des produits de beauté, mais aussi pour inventer un fluide d'immortalité? Exactement, la beauté éternelle. Mais visiblement, ce n'est pas encore au point. Elle a quand même gardé les meilleurs résultats pour elle-même. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez contre Legg, mais je veux vous aider. En échange d'une petite faveur. D'accord. Que voulez-vous? Une fiole de ce produit pour préserver les momies. Le fluide qu'ils utilisent au musée d'histoire naturelle. Du liquide pour embaumer? Oui, pour la viande pourrissante, il n'y a pas mieux. Le musée est plutôt intéressant à ce qu'on m'a dit. Vous allez apprécier. Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Une des égyptiennes du musée est, paraît-il, très vexée. Elle trouve son passeport pour l'éternité moins prestigieux que le nôtre. Je n'ai pas envie de m'aventurer là-bas pour qu'elle me lance une de ses malédictions. J'ai déjà assez donné comme ça. Mais tout ira bien, petite. Vous, vous mourrez facilement. J'espère pas.
Thank you.
Okay. Okay.